Oui, f de n est O de n carré. Donc comme n carré, ça veut dire que c'est g de n. Oui, Oui. donc tu dois trouver. Il faut que je trouve un certain n et un certain c fait que Oui. f de n est inférieur à c fois g de n. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à À n n0, zéro, f de f de n n inférieur ou inférieur ou égal égal à à c fois g de n. et que vaut g de n ici? N carré, donc c fois n carré. C fois n carré. Donc tu dois trouver un c et puis un n tel que ça soit. Tu as f de n qui est égal à 60 n carré plus 5n plus 1. 60 n carré, il est plus petit ou égal à 60 n carré. 5n est plus petit ou égal à 5n carré. Puis 1 est plus petit ou égal à n carré. Je veux dire, tu peux trouver un entier n à partir duquel. Bon, si n égale à 1, 1 inférieur ou égal à 1, donc ça marche. Mais en général, lui, il est vrai, quel que soit n, lui, il est vrai à partir de quoi? N égale à 1 peut-être. Parce que tu vois que Oui. le n carré, déjà, il est déjà plus grand que le n. Oui. Sauf 5 fois n est plus petit que 5 fois n au Oui, carré. ça c'est sûr. Et puis 1, il est plus petit que n Moi. au carré. Donc si tu fais la somme de ces trois-là, Je trouve f de qui sera inférieur ou égal à la somme de ces trois. n. Mais relève, c'est juste comme ça que tu as pris les mêmes. Ce que tu as fait, c'est que tu as pris comme f de n doit être inférieur ou égal à un certain c fois n carré. Exactement. Maintenant, chaque terme, tu as choisi chaque terme de f de n, est-ce qu'il est inférieur à chaque terme de c fois n Exactement. carré? N Et carré. le c là, tu as choisi comme Le la même même, le coefficient. même coefficient que l'autre. Et à la fin, mais parce que quand tu vas faire la somme de tout ça, ça te Oui, donne ça fait ça. f de n, Ça doit être inférieur ou égal à la somme de la tout somme de ça. tout ça qui est 66 n carré. Voilà. Et là, tu viens de trouver ton C. Et le n, c'est quoi? Alors, pour quelle valeur de n ces trois inégalités sont vraies? Lui, il est vrai pour tout n. Lui, il est vrai pour tout n. Lui, il est vrai pour, je dirais par exemple, à partir de n supérieur ou égal à 1. Si n0 égale à 1 et puis c égale à 66, on a f de n inférieur ou égal à 66 n carré. Donc on peut dire qu'on a pu trouver un couple 1, Donc, on 66. a prouvé que f de n est d'ordre n carré. Et d'autres n carré. Parce qu'on a pu exhiber un couple nc pour n égale à 1 et puis c égale à 66, tel Ouais, que on a pu avoir un couple. ça soit Ça, inférieur ou égal à et puis 66 fois n c'est carré. vrai en fait. Ouais, Suppose par exemple, on est là que je te donne 3n carré, je mets ici moins 6n et puis je mets plus 7. Je te demande, on est là, trouve-moi la complexité ou bien l'ordre de grandeur de ce truc. Là, c'est moi qui dois trouver la complexité. Oui, je Or, te avant, cache. il m'a donné la complexité. Et puis tu dis de montrer que c'est vraiment Ouais. ça. Comment tu ferais? Si tu appliquais par exemple cette idée-là, tu pourrais dire, ok, je vais essayer de faire ce qu'on avait fait. Mais je sais que c'est n quoi. 60n cube est inférieur ou égal à 60n cube. 5n carré est inférieur ou Inférieur égal à à la... 5n cube. Oui. Moins Moins 6. 6n est inférieur ou égal à. Moins Tu ne mets plus le moins à parce que côté. toi tu voudrais un c qui est positif. Et même si tu ne mets pas le moins, puisque c'est plus, les nombres plus sont toujours plus grands que les nombres moins. Moins, Donc ça ouais. sera encore plus N vrai. cube, Et puis 7, il est inférieur ou égal à ouais. n cube. Tout ça c'est vrai. Il te suffit de choisir un entier. Alors lui il est toujours vrai. Ouais, parce Lui il que est N toujours cube, vrai, exactement. Lui il est encore l'autre trop aussi est vrai. plus vrai. Lui Lui, il on est peut prendre. à partir de 7. À partir de 2, De parce que 2, 2 parce ou que 2 3, au cube, c'est 8. ça fait 8, justement. Ah, ok, donc pour un N, c'est pas vrai. Voilà. Oh! Là, Là, tu oh là là, je additionnes comprends. maintenant ça. Ça te fait 60 plus 5 plus 6 plus 1. Ça fait 71, 72. Donc, tu vas dire f de n est inférieur ou égal à 72 n cube. Donc, f de n est 0n cube. Oui, mais au level là, j'avais déjà deviné que ça allait être oui, n3. Oui, N3. Oui, parce que c'est le plus grand le coefficient le plus grand. Oui, pour les polynômes en général, Et c'est les ça. polynômes, c'est ça. Quelle est la complexité de f de n égale à 3 n carré plus 2n log de n moins 7n plus 8. Là, j'ai mis le log, c'est plus une fonction Ouais. polynomiale. So, comment tu vas faire Donc, ça? déjà, on va venir par la définition. F de n est de complexité quelconque si f de n est égal à O de la chose. O de g de n. Donc, on cherche g Oui, de n. on cherche de Ok. Donc, je vais faire comme on a fait en haut.
Donc 3n carré mm-hmm. inférieur ou égal. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le log. C'est ça. Avec le log multiplié par quelque chose, ce sera difficile de faire. Alors, je te donne un théorème qui est dans ton cours. Comment il appelle Big O, grand O? Oui, grand O. Grand O. Grand O de G1 de N. Et puis, tu as une deuxième fonction qui est grand O de G1 de N. Alors, on peut montrer que la somme... Maximum de deux. Voilà, ouais. C'est ça. Donc, grand c'est o le maximum... De maximum. De... Donc, on va prendre le maximum entre G1 et G2. Voilà. Tu as lui. Lui. Tu as lui. Tu as lui. Et puis, tu as lui. C'est n carré. C'est n carré. En fait, c'est 3n carré. Oui, mais après, on se débarrasse du 3. Ok, mais je vais le prendre. N. N max. 3n carré. 2n. Log de n. Moins 5. 0, 1, et puis 0, n. J'ai même mis ceci. Et puis après n log de n. Mais il y a d'abord log de n. Tu as bien retenu la liste. Et puis, etc. Et puis après, tu as exponentiel. Donc, s'il te donne une fonction qui est la somme de plusieurs trucs, toi, tu dis, OK, moi, je sais que la somme est de complexité ou bien est d'ordre le maximum de chacun de ces trucs. Mm-hmm. Or, je connais la façon dont ces ordres-là de grandeur sont organisés. Donc, ici, par exemple, je sais que lui, il est plus petit que n à la 2. Parce que lui, il est plus petit que n à la 2. Donc, je veux le plus grand, le maximum, parce que je prends lui. Et normalement, là, tu devrais écrire ça. Mais c'est parce que... Après, je mets égal. Voilà, après, tu mets égal à 0 n carré. Et la raison pour laquelle tu peux mettre O de n carré, c'est parce que si f de n est d'ordre g de n, quel que soit le nombre k positif que tu te donnes, f de n est aussi k fois g de n. Donc, nous, en appliquant le théorème 1, on a montré que f de n est grand O 3n carré. Comment on va faire pour faire disparaître le 3? On va dire, ben, si lui, il est comme ça, je sais qu'en multipliant ça par n'importe quel nombre positif, le théorème me dit je peux multiplier lui par n'importe quel nombre positif. Un tiers multiplié par 3n carré, et ça, c'est mon cas. Et c'est égal à 120, donc ça me fait O n carré. Donc, tu procèdes par étapes. La première étape, c'est de prendre le théorème 1. Tu vas prendre le plus grand, c'est-à-dire tu prends tout, même avec son coefficient. La deuxième étape, tu dis, j'ai le droit de faire disparaître ce coefficient parce que je peux le multiplier par n'importe quel nombre positif. Mm-hmm. Là, je trouve la complexité de celui-là. Mm-hmm. C'est n. Comment tu vas faire? Moi, je vais voir. F de O de 2 de max de 2n et puis 1. Et 1. Et qui est le plus grand entre les deux? C'est 2n. C'est 2n. Parce que 1, lui, il reste comme ça, constant. Ouais. Soit tu vas dire O de 2n. Mais là, tu te souviens que je peux multiplier ça par une constante. 1,5, ouais. Donc, ça fait O. Maintenant, je vais te tendre un petit piège. Vas-y, voilà. Mais je suis que tu vas trouver. Quelle est la complexité de f de n égale à cosinus n? Tu cherches à majorer f de n par c fois quelque chose g de n. Est-ce que tu penses que cosinus n est inférieur ou égal à quelque chose? Voilà. Donc cosinus n est inférieur ou égal à 1. Ouais. Quel que soit n, donc quel que soit par exemple n supérieur ou égal à 0. Donc nous on a trouvé une valeur n0. Oui, parce que cosinus est compris entre moins 1 et 1. Cosinus de n est toujours inférieur à 1. Inférieur ou égal à 1. Donc tu vas dire, quel que soit n supérieur ou égal à n0, cosinus n est inférieur ou égal à 1 fois, je vais prendre ce 1 là comme mon g de n. Et ça, ça sera la valeur C. Et puis, N0, je peux prendre 0. Donc, ça, c'est N0. Donc, j'ai pu trouver un couple N0 et puis C tel que F de N soit inférieur ou égal à C fois G de N. Cos de 0, c'est 1. C'est 1. Donc, tu vas dire cosinus de N est de complexité, quoi. G de N, qui est 1. O de 1. Donc là, on sait que l'intervalle du cosinus est moins 1 à 1. Donc, ça sera facile de trouver, exactement. De trouver la constante. La constante, ouais. Et puis, en même temps, la fonction g. Tu dis, OK, puisque j'ai 1, je vais écrire 1 fois 1 pour faire apparaître le g. Et comme la fonction cosinus, c'est vrai pour n'importe quel nombre, quel que soit n supérieur à 0. Donc, ça nous permet de trouver à la fois le n0 et puis le c. Et là, on dit immédiatement que
la fonction cosinus est de l'ordre 1. Maintenant, est-ce que tu peux imaginer un algorithme qui a cet ordre? Qu'est-ce que ça veut dire, ordre 1? Ça veut dire que quelle que soit la taille des données à l'entrée, le programme met le même temps pour pouvoir donner la réponse. Le programme est exécuté en un temps qui ne dépend pas de la taille des données. Suppose, bon, là, tu écris un petit programme en Java. Quand le programme prend un nombre à l'entrée, il ne fait que répondre oui, bien bonjour. Ok, so, tu dis ok. Voilà, en entrée, tu prends un nombre et puis au lieu de faire quelque chose, toi, tu dis à ton programme affiche bonjour. Affiche, oui. Bonjour. Ah, alors, okay. Donc, bonjour, ça ne dépend pas, ça de, dépend n, pas de n. Donc, c'est un algorithme de complexe. Et ça, c'est vraiment le meilleur. C'est le top. Et puis après, lui, maintenant, vient. Que j'ai de n égale à n, c'est pas bon. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Là. Ou bien tu peux tracer la courbe de f de n. Ça, c'est, ça, c'est g de n, n'est-ce pas? Tu peux tracer la courbe de. Donc, ça, c'est. Non. Ou bien je démontre qu'il n'y a pas de n0 et de c qui démontre ce truc. C'est ça. Donc, par exemple, f de n, c'est n carré. So, tu as un truc comme ça. Mais comme on travaille avec la partie positive, so, je vais ignorer ça. Je suis ici. Et puis, tu as g de n qui est n. Donc, ici, j'ai 1, ici, j'ai 1. Je ne sais pas, peut-être, je fais ça. Tu vois que n carré domine toujours. Toujours. Donc, tu ne pourras jamais trouver un entier n0 à partir duquel cette droite se trouve au-dessus. Alors, par le calcul, tu diras, est-ce que je peux trouver une constante c telle que n carré est inférieur ou égal à c fois n? Tu vas dire n carré moins c fois n est inférieur à 0. Si tu mets n en facteur, tu auras n moins c est inférieur ou égal à 0. Le produit de ces deux-là est négatif. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on va faire un petit tableau. Comment tu peux résoudre cette inéquation? On a n qui est inférieur à 0 et puis il y a n qui est inférieur à c. Est-ce qu'on peut diviser ça comme ça, comme c'était une égalité? Tu peux mettre n ici. Si je mets n ici, et puis comment tu fais pour trouver le signe d'un produit? Tu te souviens du tableau de signes? Oui, je me souviens. Ok. So, par exemple, ici je vais mettre 0, puis ici je vais mettre c. So, ici j'ai 0, et puis ici j'ai ça, ici j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis ça c'est le produit. Les deux là. So, n est positif ici. Oui, et négatif. Ici. Ouais. Puis n moins c est positif moins, ici. Ouais. Ici. So, tu as plus, tu as moins. Moins et plus. Et plus. Tu voudrais qu'il soit négatif. So, ça veut dire que n. Donc doit... je prends entre 0 ici. Entre 0 ici. Mais nous on veut quel que soit n supérieur ou égal à c. Ah, pardon. Ici c'est n0. Tu ne pourras jamais trouver un entier n0 tel que si n est supérieur à n0, on est ça. Ce n'est pas vrai. Mm-hmm. Par conséquent, or ça c'est la même chose que ça. Mm-hmm. Donc, ce que le graphique nous dit, c'est ce que on vient de retrouver par le graphique. La différence entre θ g de n et puis O g de n, c'est au niveau de l'inégalité, dans la définition de ces complexités. Quel que soit. C'est n. Oméga, voilà. Oh, mais t'as dit θ. T'as écrit ah, oméga. Oui, j'ai dit oméga. Parce qu'il y a un autre qui dit oméga, θ. Hein. Ouais. Crois que c'est le. Je sais pas comment. Oh, donc ça, c'est un autre. J'ai pas lu jusqu'à là. Ok. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à n0, il faut montrer que f de n est supérieur ou égal à une certaine constante fois g de n. Là, c'est maintenant le contraire. C'est le contraire. Okay. Alors, par exemple, est-ce que si je te donne f de n égale à 3n carré plus 7n moins 8, et puis je te dis, est-ce que tu penses en là que f de n est oméga n carré? Donc, tu veux montrer que on peut trouver un couple n0 et c tel que f de n soit supérieur major c fois g de n, mm-hmm. soit supérieur égal à c fois g de n. Oui, c'est f de n égale à oméga n carré. Comment tu le sais? Parce que au laveur, si je mets, je passe au tableau pour faire. Oui. Donc, j'ai 3n carré est bien supérieur ou égal à 3n carré. Oui. J'ai 7n qui est bien supérieur ou égal à 7n. Je sais pas où est-ce que ça va aller. Oh oui, oui, 7n carré. T'es sûr que lui, il est plus grand que lui? Oh non, il est plus petit. Voilà. Ton idée est bonne. Puis garder cette idée-là, mais fais quelque chose. Ok, je veux l'avoir. Je sais ce que je veux faire. Mm-hmm. 7n. Ici, 7n. Mais il faut qu'on ait un supérieur ici. Oui. On est pas au live. Ok. Oui. Mais ici, je vais mettre ici 7n carré. Non, je ne peux pas faire la partie si je dois trouver. Tu voudrais pouvoir. Oui, je voudrais.
Mais cette n est supérieure ou égale à... Ah, c'est juste trouver une constante. T'es pas juste obligé de trouver les mêmes constantes qui sont debout. Ok, cette n est supérieure ou égale à quelque chose n carré. Oui. Donc tu as 3n carré. Tu vas mettre ici supérieur ou égal à 3n carré, n'est-ce pas? Mm. Tu voudrais que ici tu aies f de n. Parce que tu vas dire que si j'ajoute 7n, ce truc-là devient encore plus grand que lui. Oui. Sauf même sans ajouter quoi que ce soit, il est toujours grand. C'est pour cela que j'ai mis 0. Oui. Par contre, si je viens mettre moins 8, il est possible de choisir une valeur n telle que peut-être ça soit inférieur. Sauf je vais maintenant me demander comment choisir n0 pour que lui-là soit vrai, soit supérieur à lui, sans avoir besoin d'ajouter quoi que donc ce soit. Donc, vous calculez le discriminant. Non. Tu peux dire par exemple si je prends n égale à 2. Oui. Donc là, je tâtonne. Voilà. Par exemple, si n égale à 2, tu as 14 moins 8, ça fait 6. 6. C'est déjà positif. Et donc, c'est toujours plus grand. Voilà. Parce que moi, j'ai 3n carré. Je veux plus un nombre positif qui est supérieur ou égal à 3n carré. Si je prends n égale à 1, j'aurai 3n carré moins 1. C'est pas vrai. Par contre, 3n carré plus un nombre positif est toujours supérieur à 3n carré. Donc, tu vas dire, pour n supérieur ou égal à 2, ça c'est vrai. Et par conséquent, quel que soit n supérieur ou égal à 2, f de n égale de n carré, enfin 3n carré, mais pour la même raison que j'ai dite là, on peut choisir un nombre. Est-ce que f de n est grand O de n carré? Tu veux que je réponde comme ça ou bien que je démontre? Je veux que tu fasses tes calculs. Carré. Mais souviens-toi du premier théorème, Ornella. Théorème 1 avec le max, ça te permet d'aller vite. Avec le max? Oui. Grand O. C'est un polynôme en plus. C'est un polynôme. J'ai pas. Ce 3n carré. 7n moins 8 égale à n3 O de n, n 3 n carré. Maintenant, si je le multiplie par une constante k égale à 1 tiers, ça me fait O n carré. Donc, f de n est O n carré. Mais on vient de voir que f de n est oméga n carré. O n carré et O n carré. Donc, ça on peut conclure que f de n est theta n carré. Theta n carré, c'est l'autre. Oui. Ça, on vient de répondre à theta n carré. Il faut qu'ils soient les deux à la fois pour être theta. Oui. Grand theta. Oui, grand theta. Oui. 7n carré log de n. Oui. Moins f. Je mets le moins au lieu. Oui, c'est ça. Moins 9. C'est bien. Donc f de n entre les trois, le maximum. Attention, il y a n carré fois oui. log de n. N carré fois log de n au lieu. Mais, oui. même si c'est n carré. Oui. Ça va rester ça supérieur. N cube. N cube est supérieur. Donc c'est O de N cube. Maintenant j'ai une question à poser. O de 3 N cube. O de 3 N cube normalement. Maintenant qui est égal aussi à O de 1 tiers de 3 N cube. Voilà. Qui est égal à O de N cube. Voilà. Maintenant là, j'avais une question. Si on avait 7 N cube log de N. Ah, je veux que tu répondes à ta question. Ça, ça allait être plus grand. C'est ça. Ouais, parce que on allait avoir la même chose, mais multiplié avec quelque log chose de n, ouais. C'est ça. Donc la complexité puis, serait O de n. N cube. Log de n. Log de n. Et ça, c'est ce qu'on appelle complexité quasi-polynomiale. Oh, c'est le n c'est à la le puissance. N à la puissance quelque chose fois 3. So, ça c'est l'ordre. Maintenant, est-ce que tu peux trouver le θ de une fonction g telle que f de n soit égal à θ g de n? Je cherche, je sais que c'est supérieur ou égal à 3 n cube. Très bien. Et je vais ajouter oui. plus 7 n carré oui. log de n. C'est supérieur. Ça. Voilà, plus très ça, bien. Lui, il est encore plus grand. Si j'enlève 9, si j'enlève 9, il pourrait ne pas être. Il pourrait ne pas être. Chose. Donc, tu vas chercher un n. Tel que ce truc-là soit positif. Oui. So, tu vas t'attendre. Par exemple, si tu prends 1, est-ce que ce sera bon? C'est le log là qui fatigue. Log de 1, c'est 0. Ça, c'est 0? Oui. Donc, so, tu vois, tu auras 3n cube moins 9. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est donc, ça. Toi, cherche seulement un n qui va rendre celui-là positif et tu pourras arriver. Oui, ouais. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 3, on sait que f de n est supérieur ou égal à 3 fois. Donc, quel que soit n, on a f de n qui est égal à oméga n cube après toutes les simplifications possibles. Exactement. Maintenant, est-ce que tu peux dire f de n est theta n au cube? Alors, après ces deux,
comme conclusion, oui. On a f de n, non, on a theta, oh, f de n est égal à o de n cube, c'est aussi égal à theta de n cube, oui. Donc c'est égal à theta, bon, oméga de n cube, theta de n cube, theta, voilà. Au fait, Olivier, dans ce genre d'exercice, il y a deux questions possibles. La question de savoir quel est le g de n. Oui. Et la question de savoir est-ce que f de n est égal à oméga ou o de quelque chose qui est déjà donné. Et souviens-toi que ton g de n, tu le prends le plus petit possible. Je vais écrire quelque chose, tu me dis c'est vrai ou c'est faux. Okay? F de n égale à 2n plus 1. Mm-hmm. Je dis f de n égale à ou n carré. Vrai ou faux? Faux. Donc tu dis faux. J'ai pris faux. Parce que tu m'as dit faux. Vraiment, attends, c'est vrai. C'est un piège, Olive. C'est vrai. Ici, c'est vrai. Mais ça peut pas être vrai et faux. Donc c'est quoi? C'est vrai. C'est vrai, Olive. Change. Je change. Ouais. Maintenant, je vais écrire F de N et O N 9. Vrai ou faux? C'est vrai. 9. Là, c'est faux. C'est vrai, Olive. Pourquoi? Mais c'est toujours vrai. Si c'est vrai pour n carré, oui. Ça veut dire que c'est vrai pour n9. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai pour n carré, c'est vrai pour n9, oui. C'est vrai pour n1 million. Oui. C'est vrai. Mais tu vois que donc, tant que si c'est vrai pour 1, c'est vrai pour tous les ordres qui sont supérieurs. Ouais. Mais quel est le plus simple de tous ces ordres de grandeur? C'est f de n. Et là, la ON. Pourquoi? Parce que si tu prends le max des deux là, tu vas trouver ON. Tu vas trouver ON. Ouais. Donc pourquoi ne pas prendre le plus simple? Pourquoi prendre les ordres compliqués? Donc c'est dans ce sens que je dis qu'il faut prendre toujours l'ordre le plus simple. Ouais. Si quelqu'un dit cette fonction est d'ordre n carré ou n carré, il a raison. Ouais. Mais toi tu lui dis, moi je peux trouver un ordre meilleur. Mm-hmm. C'est ON. Ouais. Mais est-ce qu'on peut faire moins que ON, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire c'est O1? Non. La réponse est non. Non. Donc ça, toujours cherche à trouver des ordres minimaux. Mm-hmm.